Merci pour ce que là. Et nous pouvons dire que nous pouvons faire la politique autrement. Donc, laisse-moi expliquer qui fait nous peut dire que nous pouvons faire la politique autrement. Et qui nous peut comprendre faire la politique autrement. Nous partis, nous envie de démarquer, nous, avec les autres partis traditionnels. Et qui manière nous pouvons démarquer ça? Première affaire qui est très importante, c'est ban valeur et ban principe fondamental et ban éthique qui nous fait adopter dans l'équipe. Nous avons ban core values et ban principe de base qui prévaloir. Par exemple, la discipline, très important. Et tout à l'heure, mon point expliquer un par un qui nous le dit pour sa ban valeur là. Hard work, méritocratie qui est quasiment inexistant à l'île Maurice. Méritocratie, l'honnêteté, mon croyant mythe, l'éthique, la transparence et accountability, rapport le dit, mon professeur Sheila, qu'une fait dire, right? Tous les lannes rapport le dit, peut dire qu'il y a un gaspillage, mais il peut continuer, peine à accountability, peine à la transparence dans la gestion des affaires à l'île Maurice. L'intégrité, nous sommes politiciens, et l'intégrité, nous sommes des gens qui ont mis en gaz dans la politique. La solidarité, le respect de soi et le respect de l'autre, et c'est un point très important, le respect de soi et le respect de l'autre. L'humilité, l'arrogance qui nous trouvait actuellement, pas nous sommes élus, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, tout ça va nous valer là, c'est une valeur qui est très important quand un nouveau parti politique peut venir et dire où nous bisons et nous avons une valeur là dans l'arène politique. Et nous pouvons dire que c'est ça la politique autrement. Et leadership. Aujourd'hui, nous avons un leadership qui est centré autour de lui. C'est une dictature déguisée. Alors, nous finissons dire depuis longtemps, et t'en dire, hein, bizarre participation de la femme dans la politique active, mais jamais, nous ne pouvons pas prouver ça soit là, comment dire, concrétisé. Ni nous finissons sentir qu'il y a une vraie intention pour donner plus de femmes la possibilité pour participer activement dans la politique. Nous dire que bizarre est l'équipe et bizarre est l'équilibre entre les hommes et les femmes dans le Parlement. Nous allons même plus loin, nous dire que l'île Maurice est assez mature pour qu'il y ait une femme qui lit destinée à ce pays-là. Bizarre un premier ministre femme dans ce pays-là. Nous pouvons dire clair et net. Clair et net. Nous leaders, c'est professeur Sheila Benoît. Puis une collégialité dans le leadership. Right? Il ne faut pas trop comprendre ce que ça veut dire un leader collégial. Mais il est aussi important qu'il nous fait ressortir qu'avec le professeur Sheila Benoît, nous avons un fonctionnement collégial. Le fonctionnement est collégial. Nous avons le respect de l'autre. Nous avons un débat autour de nos programmes, autour de nos idées. Nous avons une discussion et nous prenons une décision collective. Et nous faire tout dans la transparence. Et c'est ça qui fait la différence. Or, nous, c'est vraie démocratie. Et nous pouvons dire, comment dire, pas que c'est un slogan ça, hein, présenter une femme comme première ministre, ou soit une femme leader, juste comment dire, pour montrer comment dire, une quitteuse qui est différente avec les autres partis. Mais nous pouvons présenter un leader en professeur Sheila Benoît, qui est un professionnel, qui a une capacité énorme, qui fait une fierce preuve comme professeur hein, à l'Université de Maurice. Pourquoi ? Il n'y a aucune présentation qui vous intéresse ça. Avec tout le monde unanime là, sur compétences. Quelqu'un qui a une riche expérience au niveau national, au niveau régional et même au niveau international. Quelqu'un qui fait un travail comme un consultant à l'étranger. Un travailleur infatigable. Un Jimoun intègre, une personne qui a une vision et qui a un programme et qui nous chère, hein, dans l'équipe, nous tout nous chère et nous partage sa vision-là
nous portons ce programme-là. Et moi, plus important du tout, c'est que Sheila Benoari, professeur Sheila Benoari, c'est quelqu'un qui est très humble. Faire la politique autrement veut aussi dire la participation citoyenne, un vrai débat d'idées. Pas, comment dire, la dictature de la pensée unique. Nous, nous l'a pour servir. Et quand on est un serviteur, on n'est pas capable d'arrogant. Quand on est un serviteur, on n'est pas capable d'être dans l'espérance. On vient à l'écoute de tout un chacun. Nous, nous pouvons rallier toutes nos compétences. Et tous les citoyens de toutes les couches sociales, je crois qu'ils nous cassent un mythe qui prévaloir à l'île Maurice depuis assez longtemps. Comment dire, la politique, c'est 10 points élite ça, c'est 10 points classe ça. Et comment dire, ça, élite là, ça classe ça, il est associé avec 10 des professions. Nous disons qu'à ce mythe là. Nous nous disons, nous à l'écoute, et nous pouvons faire lire. D'ailleurs, depuis 10 dernières années, nous pouvons faire lire. Nous faisons travail en étroite collaboration avec le professeur Sheila Benoari dans plusieurs projets. Et nous à l'écoute des manchènes, nous le terrain. Nous à l'écoute, par les citoyens de tout beau, de tout couche sociale, qui connaissent une réalité de terrain, qui ont même vécu du réalité de terrain, et qui, comment dire, différent des réalités des banques élites. C'est ça la vraie démocratie, c'est ça la politique participative, la gouvernance participative. Nous, nous les assurer qui est dans un partage et une diversité d'idées. Et un parlement très riche en idées et un débat qui pour capable de développer une politique qui est plus appropriée pour les gens à grassroots. Et je vous invite à inviter et les journalistes à lire ça, l'article qui professeur Sheila Benoari, quelques temps de cela, qui est écrit dans le journal Le Mauricien. Le 15 mai 2014 en particulier, qui se titre « Let us keep the interest of the nation foremost in our minds ». Vous pensez, l'idée est une affaire très fondamentale pour la jeunesse et pour la participation active de tous les citoyens de l'île Maurice. Alors, faire la politique autrement, et un aspect important, et je ne vais pas vous trop tarder, mon camarade Kamal, spécialement, c'est l'éthique et une ligne de conduite, vous êtes. Nous, ban valeur, ban principe de base, le respect de soi et le respect de l'autre, nous pas pour tolérer et nous pas pour engager dans un dirty campaigning qui nuit à l'image, surtout ban femme quand il y a une campagne électorale. Et bien souvent, c'est ça qui décourage ban femme participe activement dans la politique. Nous pour totalement transparent dans ban dealing, nous pas pour corrompre. Hein, ban électeur, pour créer ban base pour tout, donne tempo, mobile phone. Hein. Nous campagne pour sans corruption, basé sur un programme, un débat d'idées et une vision. Alors, un autre aspect important quand nous faisons une ligne de conduite, c'est le comportement de ban parlementaire dans le parlement. Right? C'est un comportement qui fait la honte, vous êtes. C'est une vulgarité incroyable. Le Parlement est comme un temple, ça. Ben, élu, bien respecter sa place là. Bien une ligne de conduite à l'intérieur du Parlement. Bien faire preuve de civilité. Bien un minimum de décorum dans le Parlement qui sont aussi malheureusement peinants. Alors, Libon souligne ici qu'il professeur Sheila Benoari et Rukaya Kassinali qui organisent une conférence en 2005 contre le titre « Striving for a new political culture ». Et ça même tu dis, qui manière ban parlementaire disait qu'on pose dans le parlement, il disait qu'on pose dans le public. Comment dire que j'ai une élite, j'ai une demi-bondier. Ou vous êtes derrière eux. Tandis que nous pouvons dire non, nous ban serviteur du peuple. Right? Et c'est ça qui fait la différence. Et dernier point, vous êtes pour vous tarder parce que nous élaborons encore le programme, c'est droit à la parole à ban jeune. Nous pas pour servir ban jeune comme figurant. We will not ride on the back of the youth. Nous pas pour servir ça comme un slogan pour comment dire market nous parti. Ça nous pas pour faire. Vraiment, vous voulez donner la parole à tout un chacun.
nous pour aller l'écoute. Nous pour placer Ban Jeune comme candidat. Mais bien sûr, prenez un amalgame, prenez l'équilibre entre Ban Zoom, Ban Jeune, Ban Femme, Ban moins jeune, hein, Ban Adult Youth, comment nous appeler, Ban Dimoun qui a l'expérience. Nous, place politique, essoufflez vous autres. Nous visons de un nouveau frigir. Et c'est ça qu'il veut proposer. C'est ça, brièvement, faire la politique autrement. Et je ne vais pas vous prolonger, là, moi, j'ai le plaisir pour passer deux jeunes, Juanita et Serla, Juanita d'abord, pour un petit témoignage et Serla après. Bonjour, tout le monde, bonjour, tout le monde, camarade, bonne invité. Alors, moi, mon expérience beaucoup à l'injustice au niveau qui recrutement faire en tant que jeune gradué. Et mon capable de dire qu'il ne m'a pas la peau avec ça, il m'a pas un carabord, il y a beaucoup de jeunes qui fait subir la même peau que moi. Et mon d'accord avec le Parti Justice Sociale, qui justement peut mettre beaucoup l'emphase aux démocraties. Nous dire qu'elle est, avant d'étudier qu'il est éducation, il y a un tremplin pour réussir dans la vie, mais après là, nous devons trouver clairement ce qui. Qui c'est une connexion politique qui veut lui l'imprendre. Donc, nous faisons un tout bon jeune qui peut souffrir avec par système, qui peut faire nous là et qui peut pas faire nous l'avenir, pour une joindre de partie justice sociale, pour une meilleure démocratie et pour une meilleure méritocratie. Merci. Merci, Joanne. Pour passer là pour un petit témoignage encore. Bonjour, je vous présente ici. Pendant longtemps, la perception qui va nous jeune pas intéressé avec la politique. C'est totalement faux. C'est simplement le fait qu'il va nous jeune et nous dépasser par un mainstream politique qui est malheureux aujourd'hui. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a tout le monde politique et nous jeune, mais je parle de la voix aux gens. Je crase la voix publique, je crase la voix des jeunes et surtout je parle des rivaux en tant que gens respectent les jeunes. Donc, avec son nouveau parti, il a basé sur une valeur et un principe de vérité, d'intégrité, mais surtout de démocratie, et une envie, un renouvellement dans l'intérêt de Ban Jeune, qui est capable de faire la politique, mais qui est capable de faire la politique autrement et de façon propre. Et surtout, c'est l'envie qui va faire aussi pour les jeunes femmes, qui nous passent à vie comme jeunes parents de corruption, qui nous viennent de l'avant, qui nous participent ensemble de faire la politique autrement et de façon propre. Et surtout avec le professeur Sheila Benoiret comme leader, qui peut donner une chance à tout un citoyen pour exprimer des opinions, pour venir de l'avant, mais surtout pour participer. Et quand ici, ensemble, de l'inclusion change nos pays, change l'atmosphère politique, mais surtout, travaille ensemble pour amener une vraie démocratie. Merci, c'est là. C'est ça la jeunesse, vous autres. Donc, moi, j'ai le plaisir maintenant pour repasser la parole à professeur Sheila Benoiret pour présenter le programme du parti maintenant. Merci. Là, nous avons une affaire extrêmement importante. Parce que, vous connaissez, c'est aussi des différents. Tout parti politique, tout le temps, de t'attendre dernier jour, bien armé de t'énormer un programme, bien manifeste. Mais nous, dès maintenant, dès le lancement de nos partis, nous désignons dans les grandes lignes de nos programmes et de nos manifestes, pour qu'en tant qu'équipe, nous puissions encore travailler, nous puissions discuter, nous puissions faire une stratégie, mais les grandes lignes sont déjà là, et nous opérons en toute transparence. Nous ne pouvons pas rien opaque, donc nous pouvons partager avec vous la grande vision qui est une nouvelle équipe qui est autour de moi et qui est derrière moi et qui est avec moi et qui parle à l'ordi. Elle a un grand think avec nous qui parle à l'ordi, mais il y a un think important qui peut aider nous pour faire part stratégiser notre programme-là. Donc, laisse-moi commencer.